Les gens ont leur vie mise sans dessus dessous. Ils perdent leur travail, ils perdent leur salaire, c'est sans précédent. Citation de Joseph Campbell, la réalité est juste un mot et vous ne devriez pas l'utiliser sans les guillemets. L'impact dans le monde est sans précédent. Merci de nous rejoindre sur cette émission. Tout est en train de changer. Donc voilà, encore traduction d'une vidéo de TrueStreamMedia.com qui font des super vidéos. Julian Huxley a déclaré une fois que les éléments de base de transformation et de transmission dans la culture sont psychologiques. C'est comme cela que l'on change. Depuis des temps immémoriaux, des rituels ont été faits afin de transformer la réalité. Le rituel, un psychodrame spirituel, d'action consciente délivrée spécifiquement, joué afin de faciliter le changement. Changer l'environnement même dans lequel les gens existent, en commençant par le paysage mental des gens eux-mêmes, qui est l'endroit où la réalité naît, d'abord un rêve. Il a été décrit que le vrai but de ce rituel est d'altérer l'esprit de la personne. C'est un drame sacré dans lequel l'audience et le participant jouent, et le but c'est d'activer certaines parties spécifiques du cerveau qui ne le sont pas dans l'activité de tous les jours. Les mécanismes du changement changent le mécanisme. On s'accommode de ce rythme, on l'embrasse, on le coule avec. Une attirance magnétique qui nous emmène vers un chemin de transmutation de mots. Les rituels sont un véhicule qui transporte ces idées, des nouvelles idées, des informations, le data, le big data, les symboles, qui une fois transmises, créent le langage par lequel les nouveaux membres de la société vont communiquer une fois qu'ils ont été initiés. Ce nouveau langage demande une nouvelle compréhension au travers des définitions que ce rituel engendre, le nouveau sens, des nouveaux signes de ce nouveau processus autoréférent, même si le but d'origine se perd dans la répétition des actions, un rituel d'initiation intronise une personne dans la voie, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle vue sur le monde, un programme pour guider les croyances et les actions, permettant à l'initié de devenir un nouveau membre de la nouvelle société. Remarquez qu'un rituel n'est pas forcément une action consciente. On n'a pas forcément conscience qu'on pratique un rituel et qu'on est participant dans ces rituels. Et pourtant, de nouvelles pensées émergent et de nouvelles significations sont adoptées, qu'elles soient conscientes ou pas. Mesdames et messieurs, cette pub va utiliser des messages subliminaux, la publicité subliminale. Un rituel d'initiation implique typiquement trois étapes. Observez voir si ça vous rappelle pas quelque chose. Est-ce que cela te semble familier? Car cela va nous transformer. Premièrement, l'isolation pour la purification. L'initié est séparé du mondain. Est-ce que tu savais que mondain voulait dire partie du monde? Toutes les interactions sociales sont supprimées. L'initié est soustrait au monde familier, les endroits et les choses auxquelles il est habitué, afin qu'il en soit séparé. Restez à la maison, protégez-vous, protégez les autres. Tout le monde doit rester à la maison. On doit rester à la maison, car si on ne le fait pas, restez à la maison, restez en sécurité. Détaché et isolé. Purger. Purifier. Il faut obligatoirement rester à la maison. Il faut se distancier des gens qu'on aime. Il faut se séparer d'un contact visage à visage. Il faut éviter les gens le plus possible. Un élément essentiel de cette séparation de son propre environnement est la suspension des règles normales de vie auxquelles on est habitué en général. La norme de l'habitude. La normalité qu'on connaissait d'habitude ne reviendra pas. C'est à ce moment-là que tous les sens de l'initié sont contrôlés et commandés. À ce moment-là, en gros, tout ce que l'initié ressent, sent, voit, entend et goûte est délibérément contrôlé. Ces sens peuvent être bombardés, modifiés, limités ou supprimés, comme en portant un masque.
Ses perceptions, ses expériences, ultimement sont sous le contrôle du haut prêtre qui dirige la performance du rituel et la pièce qui se joue, permettant une nouvelle lumière d'entrer par une nouvelle fenêtre de pensée. Chaque génération a un but plus grand, le nôtre est de rester à la maison. Alors maintenant qu'on n'a nulle part d'autre où aller, à part où on nous autorise d'aller, l'initié isolé doit être forcé de confronter sa propre réflexion, ses parts d'ombre enfouies très profond en lui, trop occupé de les voir dans sa vie du jour le jour d'habituel. Tout d'un coup, il lui est impossible de les éviter. Ça explose, donnant lieu à une autre purge. Cela demande de s'abandonner, mais le rituel d'initiation aussi peut demander des sacrifices. Certains tangibles qu'on peut avoir dans la main, d'autres intangibles comme des comportements, abandonnés par obligation. Nos habitudes vont changer, beaucoup voudront y retourner, mais ça ne va pas être possible. Donc quand quelque chose doit être donné, on doit aussi prendre quelque chose. Un jeton de soumission ou un peu de sang, un kilo d'argile qui doit être remodelé, la société va voir une transformation radicale. Que le rituel soit ouvert ou une tromperie très subtile, le rituel réinterprète, c'est une nouvelle définition qui est donnée. L'apprentissage de nouveaux comportements, un nouveau savoir, inclut les mythes, les codes. Un monde est rempli de codes, de termes et conditions, et de messages subliminaux. Il est nécessaire pour les nouveaux membres, afin de fonctionner correctement dans cette société dans laquelle ils sont intronisés, d'être pénétrés profondément par ce sentiment. Et la répétition est la clé afin d'arriver à cela, afin de marteler ces incantations. Oui, voici la nouvelle normalité. Il faut accepter la nouvelle normalité. Le port de masque peut être requis. Être masqué joue un rôle très important dans ce genre de rituel. De New York City à Los Angeles, il est avisé aux résidents de couvrir leur visage. Il faut porter des masques. Oui, il est annoncé que tous ceux qui vont prendre l'avion doivent obligatoirement porter des masques. Oui, je constate que au moins la moitié de toutes les personnes qui font la queue portent des masques. Nous conseillons à tout le monde dans le pays de porter des masques. Donc cela permet et hâte la suppression de l'ego et cela facilite la mort de la vieille identité. La mort de l'ancienne identité avant l'identification de cette nouvelle identité. Déguisé et caché par le masque, l'initié a plus de facilité à transcender le soi, poussé encore plus loin vers cette ligne invisible entre le royaume physique et spirituel. La peur que nous avons, l'anxiété que nous avons, cela ne va jamais partir. Le trauma est un autre aspect donc de cette initiation. Plus spécifiquement pour personnaliser la peur de la mort. Les gens meurent et au moins 6000 Américains sont morts. Et même des fois, l'acte de mourir est joué cérémonialement. L'occulte, derrière l'occulte, les abysses. Oui, la mort, non, je n'y suis pas préparé. Mais qu'est-ce qui se passe? Seulement quand la mort est confrontée, l'initié peut être ressuscité. Une renaissance. Je m'endors dans un monde et je me réveille dans un autre. Donc pendant que le processus qui se joue est coordonné et sophistiqué dans la réalité, il peut être exécuté d'une manière très confuse. Et je sais que maintenant il y a plein d'incertitudes dans ce qu'on vit, tout est en train de changer. Il semble que les choses bougent de droite à gauche, de haut en bas. Là-bas et ici, on nous trimballe, on désoriente l'initié. Il est impossible de trouver une base à laquelle se raccrocher, surtout au niveau de la logique et mentale. Oui, on essaie de trouver comment faire cela chaque semaine. Tout change constamment. Donc cette désorientation est à clé. Un timing très incertain génère beaucoup d'anxiété, séparant encore plus l'initié de la réalité, le laissant ainsi beaucoup plus sensible à la réception d'un conditionnement de type pavlovien, un conditionnement appris. Cela affaiblit les défenses comme un virus le ferait, sauf que ce conditionnement a beaucoup plus de pouvoir pour casser l'individu, bien plus complètement qu'un virus le ferait. Qu'importe les détails de tout cela, l'ancienne vie est comme la mue du serpent, c'est la fin qui annonce un nouveau début. Le changement commence.
C'est donc la deuxième phase, la transition. Le temps liminal, l'espace liminal, signifie seuil ou point d'entrée. On est à la verge d'un nouveau temps, une nouvelle façon de faire les choses dans cette société. Il va y avoir une sorte de transformation dans un auto-symbolisme. Nous mourrons tous à nous-mêmes. L'initié descend vers un état subliminal, une espèce de fièvre emmenant dans des rêves, purgatoire d'un no man's land inconnu, le vide de nulle part. L'ancien moi meurt, l'initié est purifié. Maintenant, il y a une pièce blanche, un tableau blanc bien lavé, désespéré d'une nouvelle peinture, la table rase. Au même moment, son ancienne existence meurt. L'initié qui la transcende, dans ce processus, il est reprogrammé, incorporé, initié, intronisé dans son nouvel environnement. Oui, car tout cela va être transformant, cela va être transformatif sur une base personnelle, sur une base sociale, sur une base systématique. On ne va jamais plus être le même. Réformer, reconstituer, une renaissance dans ce nouveau monde l'attend à la fin du tunnel. Nous, en tant que société, en allant plus loin par-dessus tout, nous devons nous réjouir de cela et de comprendre comment cette expérience va nous changer ou comment elle devrait nous changer. Voilà, nous entrons dans la phase finale du rituel, l'intégration. Et tout le monde veut savoir, est-ce que cela va être la nouvelle réalité? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une nouvelle réformation de la vie? On se réveille dans une nouvelle normalité, mais quand allons-nous revenir à la normalité? Mais on ne va pas y revenir. C'est des temps exceptionnels où il faut que nous acceptions la nouvelle normalité. La société entreprend un changement, un tournant radical. Et rappelez-vous, si vous vous sentez tout seul, nous sommes tout seuls, mais ensemble. Le together alone. Oui, la nouvelle normalité peut être si solitaire. On se sent tout seul. Ensemble. Ah, il est beau le lavage de cerveau. Alors, est-ce que tout cela ne vous semble pas familier maintenant? Traduction Jacques Faute.